Regardez bien, pour ceux qui ont vu Matrix, alors laquelle choisissez-vous? La pilule bleue ou la pilule rouge? C'est la grande question. Si vous avez vu Matrix, vous avez le choix entre les deux. C'est très simple, l'une des deux vous laisse dans la matrice, c'est-à-dire avec les peurs, les inquiétudes, les angoisses, et puis l'autre finalement vous sort de la matrice. Ainsi, vous vous sentez plus serein, plus libre. Vous vous sentez plein de vitalité. Vous avez la conscience de tout ce qui se passe. Alors, laquelle choisissez-vous? Eh bien, j'allais dire ni l'une ni l'autre, parce que finalement, tout se joue à l'intérieur de vous. Ce n'est pas une pilule extérieure qui va vous aider. Ce n'est pas la rouge ou la bleue qui va faire que vous allez être finalement libre ou enfermé dans la matrice, comme je disais. Qui va faire, par exemple, que vous êtes toujours enfermé dans les peurs, les angoisses, les inquiétudes. Et j'ai l'impression que autour de moi, j'entends et je vois de plus en plus de personnes s'inquiéter en se disant, ben mince, qu'est-ce qui se passe? On a des peurs, on est angoissé, on n'est pas bien. Et puis heureusement, il y a des gens qui sont toujours pleins de dynamisme, pleins d'énergie, pleins de pleine conscience, on va dire, de tout ce qui se passe. Et finalement, ce n'est pas, comme je disais, dans une pilule que ça se passe, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est tout simplement à l'intérieur de vous. Parce que de toute façon et de tout temps, tout s'est toujours passé à l'intérieur de vous. Ce n'est pas le monde extérieur, en quelque sorte, qui va vous apporter le bonheur, la plénitude, la sérénité, la joie de vivre, et même l'énergie, en quelque sorte. C'est vraiment à l'intérieur, tout simplement parce que vous êtes, nous sommes, la source de cette belle énergie, l'énergie de conscience, l'énergie de joie, de bonne humeur, de bien-être. Quelque part, en fait, il n'y a rien de l'extérieur qui peut effectivement vous apporter ça. Donc si vous attendez qu'effectivement, dans mon exemple de ma pilule bleue ou ma pilule rouge, il y en ait une qui vous dise, ah ben voilà, ça y est, tu es libre maintenant, eh bien, la bonne nouvelle, parce qu'il faut le voir comme une bonne nouvelle, c'est que tout se joue uniquement et exclusivement à l'intérieur de vous. Donc il est temps d'ouvrir les yeux pour ceux qui étaient entre guillemets en train de se poser la question, en train d'attendre une aide, d'attendre un miracle, on pourrait dire presque, et puis de vous dire finalement, mais si ça se passait à l'intérieur de moi, si j'avais ce pouvoir finalement à l'intérieur de finalement de faire surgir, de faire ressortir tout ce qui s'était endormi. Et oui, puisque en réalité, quand je vous dis que tout se passe en vous, quelque part, la plupart des gens, en tout cas beaucoup de personnes, n'ont pas cette conscience que ça se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. En général, ils vont chercher la solution, la pseudo-solution à l'extérieur, en disant oui, ça va m'aider, on attend avec impatience ceci ou cela. Voilà, donc en fait, ce que je veux dire ici aujourd'hui, c'est que vous avez le choix. C'est soit vous entretenez ce monde de peur, d'angoisse, de stress, dans lequel vous vous sentez, on va dire, tributaire d'un miracle extérieur, ou bien vous créez vous-même ce miracle à l'intérieur de vous. Parce qu'en fait, tout se passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur de vous. Que ce soit la joie, la liberté, le bien-être, c'est vraiment en vous que ça se passe et nulle part ailleurs. Donc il n'y a pas à attendre, il n'y a pas à espérer. La seule foi que l'on peut avoir, c'est la foi en vous-même. C'est vous-même, avoir cette foi en vous, de vous dire, je peux faire en sorte, à l'intérieur de moi, d'aller chercher mes ressources, mes capacités, toutes ces choses avec lesquelles je suis né et qui sont là comme endormies à l'intérieur de moi. Il est donc temps maintenant de pouvoir finalement réveiller tout ça à l'intérieur de vous, de quelque part dépoussiérer tout ce qui a été enfermé, enseveli pendant des mois, des années, à cause des conditionnements, à cause de tout ce que vous avez pu croire ou entendre par rapport à l'extérieur. Parce que finalement, c'est en vous que se trouve la solution. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que l'hypnose fonctionne. Parce que si la solution se trouvait uniquement à l'extérieur, eh bien, l'hypnose ne donnerait pas autant de résultats spectaculaires. Donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que le pouvoir est en vous. Et je pense que ce n'est pas une grande nouvelle que de vous annoncer ça pour certains, parce qu'il y en a pour qui c'est peut-être un scoop. Mais en attendant,
L'idée, c'est de retrouver en fait cette puissance que vous avez en vous-même. C'est vraiment ça, l'idée de libération et d'ouverture de conscience. Souvent, les gens vous disent, oui, il faut ouvrir sa conscience, il faut ouvrir les yeux, il faut sortir du rêve, sortir de cette fameuse matrice dont on parle. Donc, si vous êtes enfermé dans vos inquiétudes, votre peur, votre espoir qu'un jour, peut-être, il se passera quelque chose, eh bien, dites-vous que oui, il se passera quelque chose si vous le décidez intérieurement. Il se passera déjà quelque chose dans la joie que vous allez y mettre à l'intérieur, dans la façon dont vous allez croire en vous-même, en cette puissance qui vous habite intérieurement. Puisque ça, c'est quelque chose qui a toujours été là, même si vous en avez douté, même si parfois vous vous dites « Non, mais moi, je suis sceptique, c'est pas possible, vu ce qui se passe dans le monde. » Eh bien oui, vu ce qui se passe dans le monde, ça n'empêche pas de pouvoir être serein et heureux, quoi qu'il se passe, à l'intérieur de vous. Et tout ça, ça se joue, comme je l'ai dit tout à l'heure, uniquement en vous. Et tout se joue vraiment uniquement à ce niveau-là. Ce n'est pas, on va dire, une attente, un espoir extérieur qui va vous sortir en quelque sorte de ça. D'où l'idée de ces deux pilules dont je vous parlais tout à l'heure, que ce soit la pilule bleue ou la pilule rouge, il n'y en a réellement aucune. La seule pilule, en fait, c'est cette foi que vous avez en vous-même qui pourra vous aider. Et aujourd'hui, si je vous donne ce message, c'est parce que ça devient de plus en plus urgent. Il est urgent de vous reconnecter et de sortir de ce rêve illusoire. Il est urgent de pouvoir finalement ouvrir vos yeux et vous dire « Tiens, ça y est, le réveil a sonné, c'est maintenant. » Parce que ce choix, vous l'avez en vous. Il y a donc ces deux mondes, le monde de la peur, de l'illusion et le monde de la réalité, c'est-à-dire de ce que vous créez à l'intérieur de vous-même. Ces deux mondes sont en train de se creuser de plus en plus. Il y a un gouffre entre les deux qui est en train de s'élargir davantage au fil des heures, parce que maintenant, ce n'est plus une question ni de mois, ni d'années, ni de jours, mais une question d'heures. Et donc, au fur et à mesure, c'est comme si vous imaginez deux parties qui s'écartent de plus en plus. Il est temps de pouvoir choisir dans quelle direction vous voulez aller. Voilà, en quelque sorte, donc l'idée, c'est vraiment ça. Pour ceux qui ont vu le film Matrix, mais même si vous ne l'avez pas vu, ça vous parle sans doute, cette histoire de pilule bleue et de pilule rouge. Donc, rappelez-vous que vous êtes bien plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer. Et ce ne sont que des mots, mais c'est bien au-delà de tout ça. Voilà, et pour terminer, eh bien, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, j'avais fait un petit audio qui a circulé récemment sur Internet. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. C'est un petit audio que j'avais fait qui vous fera peut-être réfléchir sur le sujet, méditer peut-être à ce niveau-là. Le titre, ça s'appelle « De l'ombre à la lumière ». De l'ombre à la lumière. Voilà, donc je vais reposter dans le descriptif de cette vidéo si vous ne l'avez pas entendu. Je vous souhaite une très belle soirée et puis un bon week-end de Pâques malgré tout. À très bientôt.